vin rouge ou vin blanc, vin rose ou vin d'ambre, j'aime tous les vins d'un amour pareil. Et je te bénis, beau ciel de septembre, d'avoir mis en nous ton divin soleil. Lorsque je me suis intéressé à l'histoire de la chanson sociale, en tant qu'élément d'histoire du mouvement ouvrier, j'ai voulu évidemment retrouver autant que possible des témoins de cette époque-là, ceux qui avaient connu par exemple le groupe de la Mousse Rouge qui ont écrit des chansons sociales. Et par l'intermédiaire de mon ami Henri Poulaille d'ailleurs, je suis entré en contact avec Eugène Bizot, qui est un des derniers témoins de cette époque, et qui a joué un grand rôle, je crois, dans l'histoire de la chanson révolutionnaire. Je crois d'ailleurs que vous étiez prédisposé à devenir un poète social, car vous avez une lourde hérédité familiale. Mon grand-père était un homme très ferme dans ses idées. Alors, il était un des rares paysans de l'époque sachant lire et écrire. Et il avait quelques amitiés, parmi des gens très éclairés, et ce qui l'a amené justement à prendre part à ce mouvement contre l'Empire, qu'on a appelé la Marianne, à l'époque. Alors un vieux charron du pays avait fabriqué même un petit canon avec des boîtes de roues, vous savez, les choses qui... Alors, et il paraît que ça marchait très bien. Alors, j'avais de grands espoirs. Malheureusement, l'association a été démantelée par les mouchards de l'Empire, bien sûr. Alors et bien entendu, ceux qui étaient les principaux organisateurs ont été envoyés à Cayenne. Et mon grand-père a échappé de justice à la déportation. L'affaire pour lui s'est quand même terminée assez heureusement. Mais les autres ont été assez longtemps à Cayenne. Ils sont revenus au bout de plusieurs années. Jusqu'à la chute de l'Empire. Oui. Alors plus tard, la République leur a fait une petite rente. Mais... C'était bien la moindre des choses, ouais. À une bouchée de pain, quoi. Ouais. À ceux qui avaient facilité sa naissance, remarquez. Ouais. Oui, parce que, évidemment. Oui, dans la bibliothèque de votre père, il y avait un grand nombre d'ouvrages républicains laissés par le grand-père, et je pense que vous les avez utilisés. J'ai trouvé Blanqui, Proudhon, les confessions d'un révolutionnaire, de la justice dans la révolution et dans l'église, ouais. Renan, la vie de Jésus, et... Ah, oui. Des chansons, beaucoup de chansons en ce moment, les placards contre l'Empire, bien sûr. Alors, dont ma grand-mère disait, il y avait un portrait des Bonaparte qu'ils avaient gardé au-dessus de la maison. Alors, ma grand-mère disait à toutes les fois que j'allais la voir, elle me disait, tu vois, ces brigands, là, en désignant la famille de Bonaparte. Tu vois, ces brigands. C'est dire quels étaient ses sentiments. Ah oui. Lève-toi, Jacques, lève-toi! Jacques, il me faut troubler ton somme. Dans le village, un gros huissier rôde et court, suivi du messier. C'est pour la coule à mon pauvre homme. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Ben vous savez, ça vous donne une toute petite idée de ce qu'était le travail de la terre au temps de ma jeunesse. Alors, vous savez, autant dire que c'était un travail d'esclave. Alors, vous voyez, avec cet outil, que les paysans, qui avaient quand même le sourire parfois, qui plaisantaient de leur misère, on disait... Il a tiré le diable par la queue toute la journée. Hein, qu'alors, quand on a fait ça du matin au soir, d'un soleil à l'autre, ben vous savez, on a bien envie de se reposer. Parce que, vraiment, le travail de la terre, c'était un travail épuisant. Épuisant. Et il ne faut pas trouver étonnant que Jacques. Et pris sa fourche quelquefois pour sortir de cette condition misérable.
regarde, le jour vient d'éclore. Jamais si tard tu n'as dormi pour vendre chez le vieux Rémi. On saisissait avant l'aurore. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Pas un sou, Dieu, je crois l'entendre. Écoute les chiens aboyer. Demande un mois pour tout payer. Oh, si le roi pouvait attendre. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Jacques, hélas, il a rendu l'âme pour qui s'épuise à travailler. L'amour est un doux oreiller. Bonne j'en prie pour sa femme. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici venir l'huissier du roi. Lève-toi, Jacques, lève-toi. Voici monsieur l'huissier du roi. Il y avait beaucoup de chansons. Alors, il y avait les chansons qui couraient les foires à l'époque, alors qui faisaient beaucoup de propagande dans les campagnes. Alors, il y avait surtout les recueils de Béranger. Alors, les recueils de Béranger qui m'ont énormément intéressé, parce que je trouvais là des chansons qui étaient... Déjà, j'avais un certain... je n'avais pas certainement une grande culture, mais j'avais un sens, peut-être un sens artistique, peut-être. Alors, je trouvais ces chansons mieux faites que les autres. Et j'étais pris, quoi. Ça a peut-être été les premiers pas dans la voie où je me suis engagé par la suite. C'était un bon maître, Béranger. Oui, c'était un maître de la chanson, bien sûr. Même un poète de la chanson. Et depuis, il a eu des détracteurs, surtout à cause de sa tendance anticléricale. Alors là, ça, ce sont des choses qu'on n'a pas pardonnées, encore à Béranger. Dans le charmant village de Vérette, en Touraine, où il est né, Eugène Bizot eut un illustre prédécesseur, Paul-Louis Courier, qui fut abattu d'un coup de fusil en 1825. Deux ans avant, Courier avait pressenti sa fin. « Prends garde, Paul-Louis, les cagots te feront assassiner. »« Salut, vieux pamphlétaire, à la plume indomptée, vigneron dont le vin réconforte l'esprit. Salut, Courier, salut à la libre pensée qui répand sa lumière en tes meilleurs écrits. Pour tes pamphlets, piquants comme des coups d'épée, on t'a couvert, jadis, de fange et de mépris, et l'on t'a fait rejoindre dans leur tour désolé ceux qu'on jette en prison pour étouffer leurs cris. Mais le soleil des temps nouveaux qui nous éclaire fera germer le grain du bon sens populaire qui fustige avec toi les horreurs du passé. Fier de ton idéal qu'un noble amour féconde, libres et fraternels aux quatre coins du monde, les peuples dans la paix pourront un jour danser comme les villageois de Vérette et d'Azé. Oui, vous m'aviez dit que vous aviez été attiré très jeune par l'idéologie et les idées de l'anarchie. Vous m'aviez dit par exemple que le libertaire était déjà venu dans votre famille, oui. Quand vous aviez 15 ans peut-être. Oh, mais plus tôt. Parce que parmi le personnel roulant des chemins de fer, il s'est trouvé des ouvriers qui étaient intelligents et qui avaient des contacts avec les éléments d'extrême gauche de la capitale. Alors ils nous apportaient les nouvelles. Ils ont contribué énormément, vous savez, à la diffusion des idées libertaires. Alors c'est justement ainsi que mon père, parmi ces gens, avait des camarades, des anciens paysans qui s'étaient embauchés au chemin de fer et qui revenaient de temps en temps. Alors à l'occasion de leur passage, ils nous apportaient les journaux. C'est ainsi que j'ai été amené à lire Le Libertaire et les premiers numéros du Père Pénard qui sont tombés sous les yeux par cette... Parce que je vois 1897. C'est ça, alors je suis abonné. 1897, vous aviez 14 ans. Et vous vous êtes abonné au Père Pénard. Oui, je ne mentais pas quand je vous ai dit que je m'étais abonné à 15 ans. Alors, oui. La preuve, vous avez la preuve sous les yeux. Oui, et dans ces numéros, en voilà un
dont le titre a orienté, enfin, dans le bon sens, autrement, guerre à la guerre, nom de Dieu. Oui, oui, hein? C'est c'était ça, tout à fait. Pour accentuer. Du bon Pouget, oui. Oui. Mais vous aviez un autre maître à penser que Pouget, c'était Sébastien Faure. C'était Sébastien Faure. Mais entre parenthèses, je voulais vous dire, à propos des journaux déjà très anciens, j'en avais eu sous les yeux quelques numéros de plus anciens encore, notamment la Révolution sociale. Vous savez, qui avait été fondée justement par la police. Mais les anarchistes qui collaboraient à ce journal étaient bien loin de s'en douter. C'était un traquenard, c'est un piège qu'on leur avait monté. Et la directrice était Louise Michel, qui ne s'en doutait pas du tout. Absolument, oui, oui, oui. Et vous savez qui était préfet de police à l'époque? Mais je vous l'ai dit, et c'était justement... Andrieux? Eh bien oui, mais c'est justement, c'était Andrieux. Qui est le père d'un grand poète actuel. C'est ça, de Aragon. Ah oui, ça, vous savez, alors ça a été une révélation pour moi. Et justement, dans l'un de ces numéros de la Révolution sociale, j'avais trouvé un poème formidable qui m'avait emballé. C'était le poème d'Eugène Vermeche, Les Incendiaires, qui prenait toute la quatrième page du journal. Un poème magnifique. Alors, où il relatait les événements de la commune, mais avec un lyrisme, avec, vous savez, une envolée. Alors, j'étais jeune, mais ça m'avait impressionné extraordinairement. Et dites-moi, quand avez-vous entendu pour la première fois Sébastien Faure à Tours? Alors, j'ai entendu Sébastien Faure dans ses conférences. Et ses conférences avaient lieu généralement à Tours, dans la salle du Théâtre français, qui a disparu pendant la dernière guerre. C'était une vaste salle qui pouvait contenir presque 2000 spectateurs, et c'était des salles archi-combles à toutes les fois. À toutes les conférences de Sébastien Faure, la salle était archi-comble. C'était un grand orateur, par exemple. Ah, c'était un orateur de premier ordre. Je n'ai jamais entendu d'orateur de sa puissance, quoi. Organisons le bloc de la liberté et de la paix. Cessons de nous ignorer et de nous combattre. Rapprochons-nous, coalisons-nous, unissons-nous contre l'ennemi commun. Tous ensemble, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous serons invincibles. Ce qui est curieux, si vous me permettez, c'est que Sébastien Faure représentait l'élément collectiviste, n'est-ce pas, de l'anarchie. De l'anarchie. Et vous avez commencé à écrire des poèmes dans le journal L'Anarchie, qui était l'organe de la tendance individualiste, n'est-ce pas, symbolisé à l'époque par l'anarchie. Oui, voilà, c'était la tendance individualiste. Mais enfin, j'étais quand même attiré par les théories de Libertad, le fondateur. Je trouvais qu'il y avait là quelque chose, un mouvement très intéressant, et qui d'ailleurs a fait ses preuves par la suite. Enfin, il y a eu des déviations dont il vaut mieux peut-être ne pas parler. Oui. Mais enfin, Libertad était un orateur, mais évidemment, il n'était pas comparable. Son talent d'orateur n'était pas comparable à celui de Sébastien Faure. Mais il était impressionnant. Il impressionnait les foules parce que lui était, donc, il était infirme d'ailleurs. Alors, il avait des béquilles dont il jouait admirablement dans les manifestations. Quand il se voyait encerclé, il se jetait à terre. Il faisait manœuvrer ses béquilles. Et alors la foule, généralement, à cette époque, prenait parti pour lui. Et il sortait vainqueur de la situation. C'était un être curieux, tout à fait curieux. Oui, j'ai été impressionné par le nombre de sonnets que vous avez publiés dans l'Anarchie. Et en particulier, mon vieil ami Poulaille, qui était tout jeune à l'époque, se souvenait encore, peu avant sa mort, d'un fameux sonnet anticlérical, intitulé Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Est-ce que vous vous souvenez encore de la chute qui... Et pour l'incroyant poète, en mal d'irrévérence, ce par quoi Jéhovah sauve Rome et la France, c'est un caca géant qui fume sur Paris. Évidemment, c'était un peu irrévérencieux. Je suis à poil et cependant, je ne suis pas chez ma voisine. Sur moi la toise en descendant a fait un bruit de guillotine. Et voici monsieur le major, être doux comme le tonnerre, qui me palpe encore d'un geste de vétérinaire. Alors sans bouger le sourcil, je me dis pendant ce temps-là, si tu n'as pas vu mon cul le voici, si tu n'as pas vu mon cul le voilà, si tu n'as pas vu mon cul le voici, si tu n'as pas vu mon cul le voilà. Devant moi le nombril caché par le tricolore bandage, les mères témoins du marché,
s'intéresse aux marchandages. Sournois, alternés, chassieux, regarde vos regards de fouine, tous les regards de tous ces yeux courent sur moi comme vermine. Alors sans bouger le sourcil, je me dis pendant ce temps-là, si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. Si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. De la chair jeune de 20 ans qu'étalera fièvre ou bataille. Savez-vous que c'est épatant quand on la drogue ou qu'on la taille? Et le morticola bruti portant du velours sur les manches numérote mes abattis pour les lendemains de revanche. Alors sans bouger le sourcil, je me dis pendant ce temps-là, si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. Si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. C'est la croix au dos du mouton, il a dit bon pour le service. Un sergent vague écrit mon nom sur la liste des sacrifices. Et l'homme aux manches de velours, même quand on est militaire, faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'on ne l'ait mis à terre. Si tu viens pour la mienne ici, je m'en vais en chantant par là. Si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. Si tu n'as pas vu mon cul, le voici. Si tu n'as pas vu mon cul, le voilà. Bravo. Mais à l'époque, c'était une tradition dans le mouvement anarchiste, et la chanson était considérée un peu comme un instrument de propagande. De propagande, bien sûr. Et un des exemples que vous avez connu, d'ailleurs, c'est celui de la Muse Rouge, là, ce groupe de poètes et chansonniers révolutionnaires. C'était presque tous des travailleurs et qui exprimaient alors leurs espoirs, leurs misères. Lors de leur goguette, ils venaient chanter leurs œuvres selon la vieille tradition des goguettiers 48 heures. De la chanson. Je crois que c'est vers 1910 que vous avez pris contact avec Maurice Doublier. Oui, c'est vers 1910. À ce moment-là, donc, la première chanson que j'ai envoyée, c'était si nous avions de la barbe. Bon, bon, c'est fait. Justement. Moi, j'aimais bien aussi. Elle a poussé les pieds. Oui. Et justement, j'avais eu de grands compliments d'oublier. Il m'avait dit, mon vieux, alors c'est bien cette chanson-là, on aime ce genre, alors c'est mordant, voilà. Et dans ce que nous voulons, alors là, vous avez développé votre idéal anarchiste. J'ai développé mon idée aussi. En chanson, ça. Et fraternité. Fraternité également. Aussi, oui. Fraternité avec la musique de Mignon que j'ai eu le plaisir de connaître entre-temps. On sent que vous étiez un admirateur de toute l'œuvre de Couté. Et vous lui rendez d'ailleurs un hommage indirect dans ce quatrain autobiographique que vous aviez rédigé pour la Muse Rouge. Tourangeau frisé, frisant la trentaine, vit par ses efforts sur le sol natal pétrir ses chansons d'amour et de haine, et se trouvait bien d'avoir tourné mal. Dans les quelques chansons que vous m'aviez données, j'étais surpris de trouver la chanson du lierre, une chanson d'amour de vos débuts, tout à fait. Bien sûr. Mais je n'ai pas toujours eu 98 ans. Mais je ne les ai pas encore, d'ailleurs. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir parole d'Eugène Bizot, alors que j'avais un autre exemplaire où il y a parole et musique de Charles Davray. C'est ça, oui. Alors, j'ai su que Davray a fait la musique, puis ensuite s'est attribué la chanson. Et là, vous disiez, n'est-ce pas, à 20 ans, le cœur plein de sève, d'exubérance et de gaieté, j'ai nourri d'ineffables rêves dans la tendresse de l'été. En lassant de folles étreintes la tourelle de tes ennuis, j'ai su la volupté des nuits où l'on s'aime à deux sans contrainte, etc., etc. Vous vous souvenez encore de ce texte-là? Oui, bien sûr. Oui. J'en suis encore ému. Il était impressionnant même. Et puis alors, il avait une très belle voix, alors il savait très bien, il avait trouvé une musique, enfin je crois qu'il rend bien le caractère de la chanson, et il l'interprétait admirablement. Évidemment, il y a une chanson de lui qui est beaucoup plus connue, et qu'il a chantée à peu près à l'époque de ses 20 ans, lui aussi, c'est L'Idée. L'idée. L'idée a été très chantée. L'idée. Tiens, bonjour petit, bon bien gentil, sans idée déjà
à ta maman, chante à tous mes sons. Une idée, quant à ton papa, il songe déjà à ce qu'il pourra mettre en ton idée. Et journellement, tout doucettement, joyeux, il t'apprend quelle est son idée. Attends, je vais voir comment ça finit. Moi. Tiens, regarde. On t'arrêtera lorsque l'on craindra ton idée. Peut-être en prison te jettera-t-on pour l'idée. Puis un magistrat t'interrogera, te condamnera, enfin ton idée. Tu te récrieras, te révolteras, alors tu verras où mène l'idée. Eh oui. Eh bien, j'étais très heureux d'entendre chanter cette belle chanson d'Avré, une de ses meilleures, une de ses plus belles, celles qui ont été le plus chantées avec Loin du rêve. Et le peuple est vieux, peuple est vieux, aussi vieux que le monde. Et il l'avait enregistré pour ses 80 ans en plus. Peut-être. C'est étonnant, ça. Ah, oui. Hein. Ah, c'était une belle chanson. En mai 1914, les chansonniers de la Muse Rouge rendent hommage à leur prédécesseur de la Commune de Paris de 1871. Deux mois plus tard, la France sera précipitée dans une guerre fratricide. Si je me souviens, vous n'aviez pas fait votre service militaire, mais vous pouvez nous dire pourquoi. Oui. Eh bien, je n'ai pas fait mon service militaire parce que j'étais réformé. Oui, mais donc, pourquoi? Eh bien, pour faiblesse de constitution. Eh, hey, oui. Alors, c'était un major lucide. Ma constitution ne s'est pas trop mal portée depuis. Ça a été une chance pour moi. Mais alors, au début de la guerre, vous avez sans doute passé à nouveau de... Ah, au début de la guerre, je n'ai pas accepté la guerre. Je n'ai pas accepté la guerre avec une poignée de camarades de Tourangeau. Nous étions une poignée seulement, parce que beaucoup s'étaient laissés circonvenir par les mots, vous savez, comment dire, j'ai dit discours officiels, le bourrage de crâne des journaux, de la presse, quoi. À l'époque, on luttait pour la dernière guerre, pour le droit, pour la civilisation, pour... Vous savez, alors, il fallait aller jusqu'au bout, à tout prix, comme Poincaré l'a dit dans un fameux discours, à propos duquel j'ai eu à propos de faire quelques commentaires qui ont été publiés clandestinement dans un journal de Genève, dans le Réveil de Genève. Je relevais quelques passages du discours de Poincaré, notamment jusqu'au bout, il fallait jusqu'au dernier centime sacrifier, jusqu'au dernier centime et jusqu'au dernier homme. Alors, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas dans les tranchées, ceux qui étaient bien à l'abri, à l'écart, et qui prononçaient de beaux discours... Vous m'avez donné aussi un journal qui s'intitule Le Sonneur, aussi imprimé à Genève. C'est un journal qui précisait la position de la poignée d'oppositionnels que nous étions en Touraine. Alors c'est un journal qui a été un journal clandestin, qui a été tiré grâce à la bonne volonté, au dévouement de quelques camarades qui ont passé la nuit justement pour en faire... pour un tirage assez important d'ailleurs, qui a été répandu clandestinement pour détourner les soupçons. On avait indiqué qu'il était imprimé à Bruxelles, je crois, je me rappelle. À Genève. Je me souviens plus exactement. À Genève. À Genève, peut-être. Oui. En réalité, il avait été tiré à Tours. Avec la participation d'un militant bien connu d'ailleurs, qui est mort jeune, Pierre Chardon. Quoi. Oui. Mais vous avez à l'époque un de vos poèmes, Auprès des tombes, que vous aviez écrit après la mort de votre camarade d'oublié. Ah oui. Au mort de la Muse Rouge. Israël d'oublié. Déjà la Muse Rouge a payé cher, hélas, l'orgueil des êtres fous. Quand le peuple épuisé rentrera dans son bouge, combien auront subi le même sort que vous? Qui donc a retenu les chants de vos goguettes? Qui donc a murmuré les vieux couplets des fins? Qui donc, au pilori, destine les conquêtes du crime universel voulu par quelques-uns? En affrontant ainsi l'horreur de la bataille, vous, les champions fervents de l'idéal meilleur, dans le pain noir des jours que le malheur nous taille, vous avez eu tous deux la part du travailleur. Adieu, bon chansonnier, les muses bien chagrines vous donneront toujours les pleurs qui vous sont dus, et votre souvenir vivra dans nos poitrines.
avec le désespoir de vous avoir perdu. L'oiseau dans la lumière disait son chant joyeux. Sa voix vibrante et fière s'élevait dans les cieux. Il chantait l'allégresse du cœur à ses 20 ans. Il chantait la jeunesse, l'amour et le printemps. C'était une chanson de vie, c'était une chanson d'espoir. De l'aurore au rayon du soir, il célébrait la vie. De l'aurore au rayon du soir, il célébrait la vie. Mais soudain la tourmente de la guerre a passé. Couvrant la voix qui chante, le canon s'est dressé. Fauchant sous la mitraille, l'espérance en sa fleur. Sur le champ de bataille, il coucha le chanteur. Il ne chantera plus la vie, il ne chantera plus l'espoir. Sa voix s'est tue avant le soir au chantre de la vie. Sa voix s'est tue avant le soir au chantre de la vie. Cependant que notre âme triomphe des douleurs, que du passé la flamme survive dans nos cœurs. Et sève salutaire que le sang des martyrs d'une juste colère féconde l'avenir. Nous chanterons encore la vie, nous chanterons encore l'espoir. L'aube renaît après le soir, tournons-nous vers la vie. L'aube renaît après le soir, tournons-nous vers la vie. C'est une chanson que je viens d'entendre avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai connu d'oublier, justement, j'ai connu avec lequel je me suis lié d'amitié. Et alors, il était à cette époque dans toute la force de sa jeunesse. Alors, plein d'enthousiasme, plein d'espoir, comme le dit la chanson, Madeleine Vernet a très bien exprimé ce type d'homme qui était toutefois tout enthousiasme et qui plaçait justement de grands espoirs dans cette propagande de la chanson, alors, dans laquelle il excellait. Lui, c'était un excellent interprète de ses œuvres et ça a été le meilleur animateur de la Muse Rouge à cette époque. Pour Hélène Brion, institutrice pacifiste, alors inculpée de défaitisme et détenue à Saint-Lazare. L'iniquité du jour vous a mise en prison avec des paroles infâmes, car il est plus aisé de maltraiter les femmes que de leur démontrer qu'elles n'ont pas raison. Mais nous verrons sortir lumière et vérité de leur bastille étroite et laide. Et je salue en vous le verbe pur qui plaide la cause de la vie et de l'humanité. Mais c'est pourtant dans cette période dramatique que vous avez connu un événement beaucoup plus heureux dans votre vie personnelle. Oui, bien sûr. Vers 1916, je oui, crois. Je vois où vous voulez en venir, bien sûr. Eh bien oui, à ce moment-là, je me suis uni à une jeune femme qui partageait mes idées, à peu près toutes. Alors, nous avions correspondu pendant 2 ans, alors nous connaissions moralement l'un et l'autre, bien sûr, nous savions bien à quoi nous nous engagions dans cette... Et alors, ça a été pour le meilleur et pour le pire, oui, pendant 56 ans, plus d'un demi-siècle. Et j'ai eu le malheur de la perdre il y a quelques années, bien sûr. Et c'est une perte, c'est une plaie qui reste toujours saignante. Dès la fin de la guerre, vous avez repris votre collaboration aux Feuilles anarchistes, en particulier aux Libertaires. Aux Libertaires, oui. Et j'ai relevé là plusieurs titres de poèmes dans la campagne pour l'amnistie. L'amnistie, non seulement pour les réfractaires, pour ceux qui se sont élevés contre la guerre. Et cette campagne était très intense, surtout pour la libération
de ceux qu'on a appelés les mutins de la mer Noire, ces marins qui se sont révoltés contre l'intervention du gouvernement français, les troupes françaises, contre la jeune république soviétique. Et j'ai retrouvé cette chanson où on a mêlé deux chants, l'hymne à l'anarchie et votre chanson pour les marins sur l'air de révolution de Robert Guérard. Et cette chanson, je crois, a fait son tour de France. Cette chanson a fait son tour de France, si l'on peut dire, puisque j'ai eu le plaisir de l'entendre un jour dans un coin d'Auvergne, alors où des touristes étaient venus passer la belle saison, alors avec des mômes, des poules beaux, alors dont l'un d'eux chantait le refrain, alors pour les marins de la mer Noire. Alors, bon, ça a été une surprise très agréable d'ailleurs. Ben oui. Et, alors j'ai pensé que tout n'était pas perdu quand même, il restait quelque chose de la chanson. Je crois qu'on peut rappeler que le plus célèbre de ces mutins, André Marty, a été libéré finalement qu'en juillet, je crois, 1923. Je sais, il a souffert dans les geôles de la République. Oh oui. Sacco-Vanzetti, ce sont nos deux frères qui n'implorent pas un humble pardon avec des prières. Ils sont innocents devant la lumière, ils sont innocents devant la raison. Sacco-Vanzetti, ce sont nos deux frères qu'il faut à tout prix sortir de prison. Sacco-Vanzetti, ce sont des otages ayant à subir la loi du plus fort, la loi des sauvages. Car depuis 6 ans, crispant leur visage, ils ont chaque jour attendu la mort. Sacco-Vanzetti, ce sont des otages qu'il faut délivrer d'un viril effort. Sacco-Vanzetti, ce sont des victimes, ce sont des martyrs, généreux et beaux, des êtres sublimes, qu'il faut arracher des mornes abîmes, où les ont jetés d'infâmes bouts. Sacco-Vanzetti, ce sont des victimes qu'il faut arracher. J'aimerais que vous me parliez de Sacco-Vanzetti. Eh bien, Sacco-Vanzetti ont eu un sort pitoyable. Malheureusement, les protestations n'ont pas servi à grand-chose. Ouais. C'est la loi des sauvages qui l'a emporté, hein, puisqu'ils sont restés indéfiniment en prison jusqu'au moment où ils ont dû passer sur la chaise électrique, la chaise des civilisés, soi-disant. Mais... Hein. Oui. Alors, eh bien, ça a été, on les a réhabilités. Hein. On y a mis le temps. Alors, vraiment, c'est à désespérer de la justice des hommes. C'est une chanson que je voudrais ne jamais avoir été obligé d'écrire. C'est dans ces années-là, vous avez écrit d'autres chansons. Ah ben oui, à ce moment. Oui, qu'on qualifierait d'engagés aussi, comme jamais, contre la guerre, nos chansons. Oui, à ce moment. Mais aussi des chansons d'amour. Oui. Ah, okay. Parallèlement. Dans le bois, le paradis perdu, etc. Hein. Vous avez changé de compositeur. J'ai changé de compositeur par la force des choses. Là, ensuite. Donc, ça a été un petit bonheur. J'étais trop loin de Paris, qu'est-ce que vous voulez. Oui. Loin du soleil, on n'attrape pas beaucoup les rayons. Debout, ce dont l'âpre détresse, j'ai mis sans espoir et sans pain. Ce n'est pas quand l'oisif s'engraisse que nous devons mourir de faim. Jaillissant du cœur populaire, voici de farouches clameurs. On ne supprimait la misère qu'en supprimant les affameurs. Compagnons de toute la terre, le soleil se lève au ciel noir et bientôt sa grande lumière chassera les ombres du soir.
Hier sur le champ de bataille, conduit comme un pauvre troupeau, sous un ouragan de mitraille, les gueux ont creusé leur tombeau. L'église a béni la tuerie comme une œuvre chère à son Dieu. Mais un jour la plèbe affranchie ne retournera pas au feu. Compagnons de toute la terre, le soleil se lève au ciel noir et bientôt sa grande lumière chassera les ombres du soir. Bourreaux de la classe ouvrière, nous voulons le désarmement et le cri de guerre à la guerre est notre cri de ralliement. En apprenant à se connaître, les peuples seront des amis. Et ce sera pour vous y mettre qu'ils dresseront des piloris. Compagnons de toute la terre, le soleil se lève au ciel noir et bientôt sa grande lumière chassera les ombres du soir. Bravo, bravo, bravo. C'est la chanson de Paris, c'est la chanson jolie, qui fait ravir les cœurs et charmer les esprits. C'est la fleur de l'amour et de la poésie, donnant au plus beau jour tout ce qui fait leur Paris. La chanson de Paris, c'est la chanson du rêve, qui monte en plein azur comme un oiseau joyeux. C'est le papillon bleu naissant au baiser d'Ève qui va foudrer son air aux affreux d'or des cieux. Et vous aviez eu un autre grand succès. C'était Commune, espoir du monde, ah oui, que oui. J'ai chanté étant jeune lors d'un défilé au mur des fédérés. Car elle se chantait dans les rues. Oui, elle s'est chantée dans les manifestations populaires. Et où, oui. Notamment, par la, il avait monté une petite chorale, la chorale de la Voix des Nôtres. Oui. Et il animait comme ça plusieurs sociétés d'ailleurs. Et je sais qu'elle a été très chantée. À cette, il m'a assuré. Moi j'étais loin de Paris, j'étais obligé de m'en rapporter. Aux échos qui me venaient d'un peu partout. Commune, espoir du monde, sous les toits des faubourgs, plus forte et plus féconde, tu renaîtras un jour. Vous avez réuni aussi un certain nombre de poèmes dans des recueils. Vous m'avez montré deux tout à l'heure. Ça, je crois que vous avez publié Croquis de la rue. Là, j'avais réuni des poèmes plus anciens, dont beaucoup étaient déjà, avaient déjà paru dans les journaux libertaires. C'est ça. C'est ça. Alors ici, Paternité, c'est au contraire, disons, une œuvre nouvelle. Ce sont des poèmes familiers, pour ne pas dire familiaux, puisque je les ai rimaillés en faisant la popote, en jardinant, en faisant la culture maraîchère, là, et en pensant à mes gosses, bien sûr. C'est donc à Brioude que la libération de la France est venue vous surprendre, si j'ose dire, n'est-ce pas ? À l'automne 44. Et c'est à ce moment-là que vous avez écrit contre Hitler et Mussolini sur l'air bien connu des Allobroges, Les deux vampires, cette petite chanson les qui deux s'est vampires, répandue. C'était là-bas. Une chanson vengeresse, si l'on peut dire. Et donc voici le refrain. Hitler, Mussolini, vos crimes de vampires ont fait frémir d'horreur le monde épouvanté. Mais les peuples vainqueurs détruiront vos empires pour vivre en liberté, en liberté. Oui. Et c'est peu de temps après, donc en 45, que vous êtes revenu dans votre village natal de Vérette. Oui, à la libération. Oui. À la libération, après. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et alors, comment avez-vous vécu ici? Eh bien, ici, j'ai repris mon ancien métier, voilà, dont j'avais gardé le goût, bien sûr. Alors, la première chose, ça a été de planter ma vigne, de défricher le terrain où la nature avait repris ses droits, qui était devenu un terrain plein de broussailles et d'épines, une forêt vierge inextricable, pour ainsi dire. Alors j'ai pris la pioche, j'ai tout rasé, d'abord, comme un bûcheron professionnel, et ensuite j'ai tout défriché et j'ai planté la vigne. Cette pente à l'abri du vent, qui se chauffe au soleil levant comme un vrai lézard, c'est ma vigne. Alors je suis donc dans mon élément, puisque
puisque j'ai exercé le métier de vigneron dans la plus grande partie de ma vie. Alors cette vigne, je l'ai plantée et j'ai eu le plaisir de la voir pousser et produire des raisins et un vin, un petit vin clairé, un petit vin de coteau assez agréable à boire, ma foi. Et j'ai le plaisir de voir que mon successeur l'entretient d'une façon parfaite, hein, à tel point que vous voyez à quel point la terre est travaillée. On enfonce jusqu'à la cheville. Oui, alors, donc j'ai passé la... J'ai sué sang et eau sur cette terre, bien sûr. Alors, je comprends pourquoi on parle de l'attachement du paysan pour sa terre. Mais je le comprends, parce que c'est sa vie. Hein. Sa terre, c'est sa vie. Il y a laissé une partie de lui-même. Alors, et donc, j'ai cette mentalité, en quelque sorte, cette mentalité paysanne. Je n'ai jamais eu le culte de la propriété. Non, la propriété pour moi vaut pour celui qui la fait valoir, pour celui qui s'intéresse à la vie de la terre et à ses produits, bien sûr, autant par passion que par espoir de récolte. Cloche de Pâques. Sonnez aux quatre vents, cloche des cathédrales, et les clochers épars pointés vers le ciel bleu. Vous n'étoufferez pas les sanglots et les râles des peuples massacrés sur une terre en feu. Sonnez vers le soleil, dans l'éclair paysage où le printemps nouveau commence à resplendir. Vous n'étoufferez pas, hallucinant message, les appels au secours de ces peuples martyrs. Sonnez votre hosanna d'humanité fervente. Carillonnez la joie et les hymnes d'espoir. Vous n'étoufferez pas les clameurs d'épouvante vers les oiseaux de mort dont notre ciel est noir. Sonnez, sonnez toujours, cloche les jours de fête. Faites pleuvoir sans fin vos notes de cristal. Vous n'étoufferez pas le fracas des tempêtes qui font trembler d'horreur le monde occidental. Vous n'empêcherez pas qu'émus par la détresse des êtres torturés qui voudraient vivre en paix, l'homme au cœur fraternel soupire avec tristesse vers des Pâques d'amour qu'il ne verra jamais. Pendant trois quarts de siècle, Eugène Bizot a écrit de nombreux poèmes pacifistes et humanitaires. Il a regroupé les derniers dans le recueil « Les sanglots étouffés ». La bombe haine. Enfin, voilà une bombe qui respecte les cimetières. Le voilà, le rayonnement de la France. Pour fêter la bombe à neutrons, oh les corps, pavoison, mes frères, ça fera marcher les affaires et trembler le cœur des poltrons. Demain, les lauriers fleuriront dans les champs d'horreur planétaire. Pour fêter la bombe à neutrons. Oh les cœurs, pavoison, mes frères. Les crâneurs, les aliborons du grand guignol parlementaire et tous les sabreurs de la terre soufflent déjà dans leurs clairons pour fêter la bombe à neutrons. Lutter pour le succès des causes généreuses, pour l'idéal de paix dont on a la fierté, pour les destins meilleurs des plèbes douloureuses, pour le bonheur du monde et pour la liberté. Lutter jusqu'à la fin du rêve ou du poème qui soutient notre cœur et l'enflamme en secret, et quand on n'est plus rien que l'ombre de soi-même, sourire à la jeunesse et partir sans regret.